Salut les potos, à l'approche de l'étape du Tour et de toutes les grandes cyclos cet été, vous êtes nombreuses et nombreux à me demander quel type de machine choisir ou utiliser. Eh bien, si j'avais déjà fait une vidéo matérielle sur quoi utiliser pendant une cyclo, aujourd'hui, je vous propose pour tous les budgets des choix de vélos sur le marché de l'occasion. Vous allez voir qu'il y a de quoi faire et de quoi se faire plaisir sans pour autant dépenser des milliers d'euros. Pour trouver de bons exemples d'occasion, forcément, j'ai été sur le site qui en propose le plus en Europe, à savoir Bicycle, que vous aurez déjà remarqué dans certaines de mes vidéos. Mais je vous rassure de suite, je ne suis absolument pas commissionné dans les vélos que je vais vous proposer. D'ailleurs, le but est plutôt l'inverse, à savoir vous faire économiser de l'argent en passant sur le marché de l'occasion. Juste sur le site Bicycle, il y a plus de 20 000 vélos disponibles. Donc, autant vous dire, on peut trouver de tout pour tous les goûts et tous les budgets. D'ailleurs, on commence par les tout petits budgets. Et oui, je vous ai déniché un vélo pour moins de 500 euros avec lequel j'aurais volontiers fait l'étape du Tour. Alors c'est vrai que forcément, il va y avoir certaines limites. Bon, je laisse pas durer plus longtemps le suspense. Regardez, il s'agit de ce magnifique Colnago C40 équipé à l'ancienne tout en campagnolo, super record avec ses manettes en carbone, magnifique détail. Et c'est un vélo qui est affiché tout juste en dessous de la barre des 500 euros. Et oui, comme quoi, c'est possible. Forcément, ce sera un vélo qui sera plus lourd qu'un vélo moderne, avec des freins à patins, mais vous allez voir, ça freine très bien. La plus grosse limite que l'on peut y trouver, ce sera au niveau des braquets. Forcément, on va se retrouver avec une cassette limitée par rapport à aujourd'hui des cassettes en 12 vitesses qui peuvent monter relativement haut en pignon avec du 30, 32, 34, voire même plus. Ici, c'est pas précisé par le vendeur, mais on risque de se limiter très vite à une vingtaine de dents à l'arrière. Ce sera la limite de ce type de vélo, mais en même temps, pour 500 euros, il fallait bien qu'il y en ait une. D'un autre côté, c'est un vélo intemporel, magnifique, Colnago, c'est la classe, les amis. Si vous avez quelques centaines d'euros de plus à investir, vous allez de suite retrouver un vélo qui est beaucoup plus compétitif, bien que peut-être il vieillira un peu moins bien, parce que, bah oui, Colnago, c'est 40, c'est intemporel. Mais on se tourne ce coup-ci du côté de Giant avec ce magnifique TCR de 2016 pour un peu moins de 1000 euros. Pour moi, c'est l'une des meilleures occasions que je vous propose aujourd'hui. Ce vélo propose à 90% tout ce que vous proposera un vélo très haut de gamme. Évidemment, il est à frein à patin, il est avec un groupe mécanique, mais de très bonne facture puisqu'il s'agit d'un Shimano Ultegra, certes en 11 vitesses, mais déjà vous allez pouvoir adapter des développements ultra intéressants. Et surtout, regardez en description, ce vélo présente toute la transmission neuve, le pédalier a été changé, les plateaux, les pignons, donc la cassette, la chaîne également. Bref, selon moi, une excellente affaire. Et en plus, à ce prix-là, vous avez des roues en carbone. Autant vous dire, si vous avez un budget à moins de 1000 euros, foncez. Il est fort à parier d'ici à ce que ma vidéo soit montée et publiée, que celui-ci soit vendu. Si ce n'est pas le cas et que c'est à votre taille, moi, perso, j'irai. On monte un peu plus dans le budget. À moins de 1500 euros, je vous propose ce coup-ci un Orbea. En l'occurrence, ce magnifique Orca qui a un an de moins que le précédent, il est de 2017. Qu'est-ce que cela change? Eh bien, tout simplement qu'on passe sur un groupe DI2 et donc un groupe électronique de chez Shimano, ce qui va vous permettre, eh bien, pour moins de 1500 euros, de goûter à cette technologie qui est clairement la plus avancée et la plus agréable à utiliser au quotidien désormais. Même si les bons vieux câbles font toujours eh bien, le boulot, clairement le DI2 est d'une précision sans pareil. Les roues sont un peu moins performantes que lors du modèle précédent, mais il s'agit quand même des éternels Mavic Xerium qui passent partout. Donc c'est un vélo qui devrait faire des merveilles sur l'étape du Tour ou d'autres cyclos avec du dénivelé sans aucun problème, et vous avez toujours la possibilité de l'upgrader en changeant les roues dans le futur. C'est là aussi pour moi un très bon rapport qualité-prix et un vélo qui pourra durer. Encore une fois, un vélo à patins, la logique veut que si vous investissez dans ce type de vélo, c'est pour les garder parce que forcément ils ont une décote un peu supérieure aux vélos à disque sur le marché de l'occasion, et c'est aussi la raison pour laquelle ce sont de bonnes occasions. À moins de 2000 euros, je reviens chez Giant et vous connaissez ma passion pour ce modèle, le TCR Advanced. Forcément, on aime ou on n'aime pas, vous avez vu que j'ai testé le tout nouveau 2024 récemment, mais celui-ci, je pense pas que vous soyez nombreux à me contredire, à moins de 2000 euros, il a tout d'un vélo des pros, si ce n'est qu'on remarque
il est à patins. Et oui, mais il est déjà ultra élégant, cette couleur est magnifique, intemporelle, et ce vélo-là, à ce prix-là, clairement, a tout pour séduire, encore une fois, si vous êtes dans la logique de le garder quelques années. Là aussi, il possède un groupe Ultegra 11 vitesses, largement de quoi adapter une cassette faite pour la montagne, et c'est du Shimano mécanique. C'est aussi une raison pour laquelle le prix de cette occasion est relativement contenu. En tout cas, c'est un vélo qui, dans le temps, ne devrait pas dépérir et devrait toujours trouver des pièces de rechange puisqu'il vous faudra des patins et des câbles. C'est la raison pour laquelle je vous dis, si vous voulez un vélo intemporel, de qualité et qui vous fasse passer les bosses comme jamais, eh bien, à moins de 2000 euros, c'est pour moi la meilleure occasion que vous pouvez trouver. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Si vous êtes team patin ou team disque, je vous rassure, on monte un peu en gamme, j'arrive sur du disque aussi. Et non, toujours pas, à moins de 3000 euros, j'ai décidé de rester sur un vélo à patins. Comme je vous l'ai largement dit, je pense que ce sont les meilleures occasions à faire sur le marché, toujours à condition de vouloir le garder. On est là chez Specialized sur un modèle S-Works, donc le top du top de la marque américaine. Ce magnifique tarmac en plus présente coloris que j'adore, à vous de me dire, après les couleurs et les goûts, chacun les siens, mais moi j'aime beaucoup. En tout cas, ce vélo de 2018 semble en parfaite condition, il suffit de regarder le détail des photos et sa transmission, du Race DI2 s'il vous plaît, donc on est bien sur un vélo très haut de gamme, le tout pour moins de 3000 euros, mais à patin, vous l'avez compris, c'est justement ce qui nous permet d'avoir des vélos qui sont un peu décotés mais qui pour autant sont excellents et vous apporteront de super performances en montagne notamment. Pour moi, c'est une top occasion, encore une fois, à condition de la garder quelques années. Mais vu les conditions, celui-ci, clairement, à part l'afficher dans le salon, vous allez pouvoir le rouler et vous faire plaisir pendant un bon moment. À moins de 4000 euros, on reste chez Specialized et on arrive au premier modèle à disque. Et oui, forcément, le prix augmente et ce coup-ci, j'ai choisi le modèle Aetos de chez Spe, qui est réputé pour être le modèle le plus léger de la marque, si ce n'est l'un des plus légers du marché actuellement. Celui-ci a un peu moins de 4000 euros et une bonne affaire d'un point de vue prix, puisqu'il présente évidemment des freins à disque hydrauliques, mais également un groupe AXS, donc électronique de chez SRAM. En l'occurrence, le Force, ce n'est pas le top de la gamme de chez SRAM, mais juste en dessous, c'est très très bien et surtout, ça vous offre 12 vitesses, ce qui est ultra intéressant. Et pour ce prix-là, vous avez quasiment le top de la technologie avec l'un des vélos les plus légers du marché. Bref, si vous aimez la couleur, foncez. Bon, j'ai déjà donné plus de vélos que promis dans l'intro. En attendant, je vais terminer si vous avez un budget illimité par deux ou trois propositions très différentes en fonction de vos goûts, évidemment. On reste sur un Aetos, mais ce coup-ci en version illimitée. On passe sur du DI2, du Race 12 vitesses. Donc là, on est sur le top du top. Surtout, rien qu'à voir la finition de ce vélo, vous comprenez qu'on est sur de l'exclusif avec un pédalier et des plateaux clavicula 100% en carbone. Mieux vaut éviter ce type de modèle si vous faites plus de 80 kg. En attendant, il y a fort à parier que celui-ci n'en pèse pas plus de 6 ou peut-être même quelques grammes en dessous. Il ne sera pas homologué pour rouler sur une course UCI, mais en montagne, vous devriez vous éclater. Et forcément, on retrouve également une chape de dérailleur surdimensionnée. Tous les détails sont soignés avec cette petite chaîne dorée. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, c'est une pièce de musée. C'est un vélo qui a été fait quasi sur mesure par son propriétaire. Là aussi, très bien entretenu. Il faut un certain budget, mais si vous l'avez, faites-vous plaisir. Pour celles et ceux qui ont moins de budget et qui restent des romantiques du patin, je vous propose deux autres options, à commencer par ce magnifique Pinarello Dogma F à patin. Là aussi, eh bien, on a un vélo top de gamme. Souvenez-vous que Ineos, anciennement Sky, ont été quasiment les derniers à passer à disque dans le peloton professionnel. Et il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, Chris Froome gagnait encore le Tour de France sur des Pinarello à patin du genre de celui-ci. Le gros plus de ce vélo, outre le fait qu'il est équipé avec le top du top, ce sont ses roues. Et oui, les Corima MCC sont parmi les meilleures roues du marché, tout du moins parmi les meilleures que j'ai eu l'occasion de tester. Évidemment, c'est très rigide, c'est un combo qui va être exigeant. C'est pas pour autant un vélo fait pour être 100% aéro que pour faire du plat, mais vous êtes assez peu entraîné, je vous déconseille un modèle du genre parce qu'il va demander un petit peu d'exigence pour l'amener, mais c'est un super vélo et là aussi à conserver de nombreuses années
indémodable, même si la MCC, bon, bah, c'est quand même aéro, quoi. Et enfin, pour terminer, vous en vouliez de l'aéro, eh bien je vous propose ce DeRosa en titane. Alors là, on sort totalement de tout critère de performance parce que ça va être un vélo qui va être forcément plus lourd que tous les précédents ou quasiment, bien que le titane peut avoir un poids relativement contenu. Mais je vous le propose parce que là aussi, c'est un vélo indémodable et on peut vouloir faire une cyclo avec la classe avant tout. Et ce vélo, en tout cas, moi, me plaît beaucoup parce que, eh bien, il respecte tous les codes, Campa, même les roues sont d'origine, c'est un vélo 100% à l'italienne, en titane, bref, indémodable, pour moins de 5000 euros, vous le garderez pendant au moins 10 ans, et si vous vous en lassez, eh bien, il faudra le transmettre à quelqu'un qui aime ce matériau autant que moi. En tout cas, si je devais acheter un vélo pour le conserver, je me tournerais vers ce genre de machine, équipée de roues Campagnolo Chamal, bref, magnifique. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, dans quel team vous seriez? Est-ce que c'est plutôt le Pinarello en carbone, le DeRosa en titane ou bien, eh bien un Aetos ultra léger? Bref, faites-moi vos suggestions également. Dites-moi ce que vous pensez de mes différents conseils et surtout si vous sentez prêt pour les objectifs de l'été. Je spoil un petit peu, mais moi aussi, j'ai ma cyclo à 4000 de D+ cet été. Je reviendrai très bientôt pour vous la présenter. Et en attendant, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez pour ne rien manquer. Allez, des bisous les potos!